Merci, 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 merci pour ta délivrance. Merci pour nous faire sortir dans la boue. Merci pour nous faire sortir dans l'endroit que nous-mêmes, on ne peut pas sortir nous-mêmes. Merci pour ça que tu as essayé de faire à travers de cette délivrance. Merci pour la chanson, la cantique que tu as mis dans notre bouche. Merci pour ton esprit, papa. Merci pour ta puissance. Merci, Yahusha HaMashiach. Merci, Adonai. Merci pour ton sang que tu as versé. Merci pour ton sang, sang de l'Alliance, que tu as utilisé pour nous faire sortir dans la force. Dans la force profondeur, qu'il n'y a pas l'eau. Que l'ennemi nous amène. Que Babylone nous amène. Esclavage nous amène. Situation nous amène. Parents, les ancêtres. Les frères et tout, on nous a fermé des dons. Ocotique, frimaçon, illuminati, la sorcellerie, l'esprit des eaux, mamie water, on nous a fermé. Mauvaise hauteur, l'esprit familier, on nous a fermé. On ne sait pas, on vive comme les gens vivent. Tout le monde vive, mais ne sait pas où qu'il va. Il n'est pas l'identité. Tout le monde a perdu l'identité. Ah, Abaya, merci pour toute la révélation. Merci pour la vérité. Merci Abaya. Thank you Abaya. Merci pour la vie, pour la vérité. Alors je l'aime. Alors ta bouquet. Je prends mes fesses.
Abba. Thank you, Abba. Yeah. Don't die
fire of Elohim. Tonnerre de feu d'Elohim. Judgment thunder of Elohim. Tonnerre de jugement de feu d'Elohim. Judgment thunder of Elohim. Tu marches dentro de. Tu marches, 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 tu marches dentro de. Tu marches dentro de, tu marches dentro de. Sous ma dent, yes! Priez! C'est le troisième jour! Is it all day? I must come out! From that mighty clay! From that sleeping sand! I must come out! By the covenant blood of Yahusha, you will not die. That blood speaks for us. That blood bring us out from that pit. Tu ne muripa. Le sang de Yahusha, le sang de l'anneau, que il a versé, il a utilisé comme un sacrifice. Il a sacrifié son sang. Il a versé son sang dans la croix de Gogota, dans la croix des cavernes. Yahusha, il a sacrifié lui-même. Il a versé son sang pour nous faire sortir dans la boue, dans la force profonde, la force de la mort. Il nous a fait sortir des dons. Pour les mourir pas. Que le sang de Yahusha. Sang de Yahusha. Cours. Dans nos fondations. Cours. Dans tout endroit. On nous a liés. On nous a bloqués. On nous a attachés. Tout endroit. Dans la famille. On nous a enterrés. Notre cordon ombilical. Notre placenta. Ils sont en train d'utiliser contre nous. Que le sang de Yahusha va dans cet endroit, fais-nous sortir, libère-nous papa, à cause de l'alliance dans ton sang, Abaya, attends notre cri, fais-nous sortir, dans l'esprit d'esclavage, dans le dimanche d'esclavage, sois-nous sortis, rompe-les, crosse-les, papa, écrase-les, dimanche d'esclavage, par du bas d'esclavage, donne-nous ton vie, écrase-les, abaya, go by fire, locate, anywhere, we have been loved, we have been seized, we have been blocked, oh Lord, in Babylon, in this land, in this country, in our father's house, in our mother's house, anywhere, you have been changed, you have been seized, you have been blocked. Abaya, arise, locate us, deliver us, bring us out from every cage, mighty clay, that dangerous speech, where they have locked us up, oh Lord, through slavery, deliver us from demons of slavery, from spirit of slavery, papa deliver your children, deliver your Israelites, Yeshirai, we must come out by the voice of Yah, the son of Jacob, must come out from the pit of this world, from the pit of this generation, from the pit of Babylonia pit, must rise up by fire.
fire. He must be ruled by fire. He must come out. He must come out from earthly power, from earthly activities upon our life, from earthly authority, from Luciferian authority. We must come out. We must come out. Pray. Yes. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha Hamashiach. Thank you, Abaya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Baba, thank you. Thank you, Lord. You brought me up from the miry clay. You set my feet on a solid rock to stay. You put a song in my mouth to sing a song of joy. Hallelujah. You brought me up from the muddy clay. You set my feet on a solid rock to stay. You put a song in my mouth to sing a song of praise. Hallelujah. Oh, na puta la 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 bidide. Oh, me waka guzole lo kekume. Oh, ti oa puta narunta. Ah, oh, tito. Hallelujah. I come out by fire. I come out by fire. I come out by fire. By the word of Yah. By the word of Yah. From every pit. From every appetite. Appetite. Kiwa. Appetite. Any appetite. Any appetite. Any appetite. Alambrede. Alambrede. Anywhere they put me. In that pit. In that pit. Wherever they put me. Wherever they put us. Wherever they lock us. In that prison. Family demonic prison. Witchcraft prison. Marine prison. Occulty prison. They put my generation, they put my family, they put my household, they put us, they put my ministry. I come out by the blood of covenant of Yahusha Amashiach. We come out by fire. 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 In the name of Yahusha, I come out by fire. As I pray today, as I cry today, the Bible says, Psalm 40 say, he heard my voice. He heard my voice. He cleared his ear unto my voice, and he bring me out. He bring me out. Abaya, bring us out. Abaya, bring us out. Abaya, bring us out. Bring us out. Bring us out. From that miry clay, that potopoto, that apete, Papa of this world, where they have locked us up, where they have put us, where they have seized us, where they have seized our glory, our destiny, our joy, our blessings, our miracles, every good thing in our life, they lock it up. They lock it up. They lock our generation. They lock our family, they lock our household, they lock everything concerning us. I come out by fire, by the blood of covenant of Yahusha, by the blood of covenant of Yahusha, by the sand of alliance, by the sand of the alliance, the Yahusha Hamashiach. Yes, Papa, yes, Yahusha Hamashiach, yes, Adonai, yes, yes, sorti, sorti, bien aimé, sorti, bien aimé, prier. Il a dit, il a attendu mon écrit, il a attendu mon écrit, il a attendu mon écrit, son cas. Il a attendu mon écrit, il a attendu mon écrit, il m'a fait sortir dans la boue, dans la force de la vie, la force profonde, où il n'y a pas l'eau. Ils sont fermés, notre destinée, notre gloire, notre mariage, notre étoile. Là que on nous a fermés dans la famille, dans notre génération, dans ce monde, dans ce pays, dans cette vie, pour ta gloire, on nous a fermés. Bah, la Bible dit, tu dois sortir dans ta communauté. Dans ta village, on t'a fermé, ils sont fermés, ton étoile, ta famille, tout ça qui te concerne, ils sont fermés, mais dans la prison, avec la boue, avec la boue, avec la boue, ils sont fermés, tout le monde, dans leur force, dans leur force, dans leur force, profondeur, profondeur, tes enfants, ton mariage, ils sont fermés tout, ils sont fermés tout, tout doit sortir, prier! Aha! Yes! 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 He must come out by fire. He must come out by fire. Aha, aha. Pray, pray. Aha, you coming out?
You are coming out, you are coming out. He's coming out by fire. Priez. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Par le feu. Par le feu. Lion des tribus de Juda. Yes. Thank you, Abaya. Aha, aha, aha. Give the war, give the battle. You must be released. You must be released. You must be released. This is the word of Yah. Yah have declared it. Yah have declared it. Warning, very clear of sickness. Sickness is not your portion. Sickness is not your portion. Tu dois sortir. Maladie n'est pas ton portion. Maladie. La force de maladie. La force de maladie. La boue de maladie. La boue de maladie. C'est pas ta portion. C'est pas ta portion. C'est pas ta portion. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Oh! Maladie générationnelle. Maladie générationnelle. Maladie générationnelle. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Maladie de pauvreté. Maladie de pauvreté. Maladie de pauvreté. Maladie de rejet. Rejet partout. Rejet partout. Rejet partout. La bouille. La bouille de rejet. La bouille de rejet. La bouille de rejet. La bouille de rejet. La bouille de pauvreté. La bouille de pauvreté. La bouille. La bouille. La bouille de la honte, de disgrâce, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu dois sortir. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Priez. Le troisième jour, Yahusha il a sorti. Le troisième jour, Yahusha il a vaincu la mort. Yahusha il a vaincu la mort. Troisième jour, Yahusha il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Oh Yahusha. Fais-nous sortir, fais-nous sortir, fais-nous sortir. Dis-toi Dieu, in the grave, Yahusha, you are from the grave, you are from the grave, you come out from the grave, you come out from the grave, you come out from the grave, for that mighty play of grave, for that wicked, that deep pity, Yahusha came out of it, Yahusha came out of it, you must come out, in the third day of the universe, the third day of the universe, you will not die. No more sickness in your life. No more poverty. No more poverty. That poverty in your family, in your generation. You must come out of it. You must overcome it. You must overcome it. To the reverse. Every potopoto, apathy of death, untimely death, apathy of untimely death in your family, in your generation. You must come out of it. You must come out of it. Yes. Yes, 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 yes. In the family, they always terminate. They always terminate. Anyone that shine, anyone that shine, anyone that will have lift up, anyone that shine, shine to be good. They will terminate the person. They will cause us death. They will block his way. They will destroy everything. This is apathy. This is potopoto. Potopoto they are put in the family. Potopoto in the family. You must overcome it by the blood of Yahusha. Yay! Yes! Pray. Thank you, Abaya. Yes, 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 yes. Yes. That crocodile must die. He must die. That crocodile in the family swallowing everybody. C'est crocodile. C'est crocodile. C'est crocodile dans la famille. Qui avale? Qui avale tout le bon chose de la famille? C'est crocodile. C'est crocodile. C'est crocodile de la famille. C'est crocodile de la famille. Qui tue? Qui tue? Qui tue? Quel esprit? Quel démon? Donne la force. Donne la force. Qui avale tout le monde? La gloire, la destinée de tout le monde. Il avale. Il avale. Priez. Priez. Elohim. Éliminez. 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 Cet animal, cet animal, cet animal, cet crocodile, cet crocodile, that crocodile in the family, that's father, that's a pet, that snake, that's a pet, that python in the family. Cet python dans la famille. Il doit mourir. Yahusha Hamashia. Il doit mourir, il doit mourir. On a besoin de Yahusha. 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 Priez. Oh, thank you, Abaya. That's happened in the family. Swallowing everybody. Swallowing every destiny. Swallowing every glory. Anyone that brings his head out, he will eat it up. He will swallow it up. Yes. Yes, yes, yes. Kill him now. Kill that animal. Kill that bloodsuckers.
Blood suckers in my family. Blood eaters in my family. Blood suckers, flesh eaters in my family, in my generation, in my place of birth, in this land, in this country, wherever they are, in my community, in my country, looking for my blood, looking for my flesh to eat, to destroy. They must die. It is the hour to die. To die. They must die. They must be crushed. They must be crushed. They must be crushed. They must be crushed. Yes! Priez! Il a entendu ma voix. Yahusha, il a entendu mon écrit. Abaya, il a entendu mon écrit. Il m'a fait sortir dans la boue et dans la force. La force de la vie. La salité dans notre vie. La salité dans notre destinée. La salité dans notre génération. La salité dans notre linge. Dans notre linge. Dans notre vie christianisme. Hey. La salité dans notre mariage. La salité dans nos enfants. Abaya, Abaya, il a attendu notre écrit, à cause de son sang, 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 il nous a libérés, il nous a libérés, il nous a libérés. Abaya, come, Yeshua HaMashiach, come, Elohim, come, yes, Abaya, yes, Abaya, that masquerade in our family, that masquerade. Cette démon qui masque, cette mascarade, mascarade dans notre famille, mascarade dans notre famille. Cette démon qui se cache, qui se cache, qui tourmente tout le monde, qui tourmente tout le monde. Ce pouvoir, cette alliance, alliance satanique, alliance démoniaque, qui tourmente tout le monde. Abaya, Abaya, Abaya. Écrase-les. Papa écrase, papa écrase, papa écrase. Écrase cette alliance. Déchire cette alliance. Élimine cette alliance. Papa rompe cette alliance. Abaya, Abaya. Se lève, libère, libère, libère ton peuple. Papa, libère ton peuple. Abaya, libère ton peuple. Yahusha Amashiach, libère ton peuple. Libère-nous, libère-nous. Yahusha, libère-nous. Yahusha libère-nous. Adonai libère-nous. Libère-nous Yahusha. Abaya libère-nous. Adonai libère-nous. Libère-nous Yahusha Amashiach. Libère-nous Adonai. Libère-nous, libère-nous. Libère-nous Adonai. Papa libère-nous. Papa libère-nous. Papa libère-nous. Abaya libère-nous. Yahusha Amashiach libère-nous. Libère-nous Yahusha. Libère-nous Yahusha. Adonai libère-nous. Fais-nous sortir dans la boue de la vie. Fais-nous sortir dans cette force. Cette force. Force satanique. On nous a On nous amène, on nous a couvert, on nous a couvert notre destinée, notre étoile, notre gloire, notre joie, notre santé, notre finance. Ils sont tous bloqués, ils sont tous couverts avec la vue, avec la vue. Abaya, Abaya, Abaya. Éliminez tout, fais-nous sortir dans toute l'activité, activité des ténèbres, dans ma famille, dans ma génération, dans ce pays, dans nos pays, tout en droit, dans la mer, dans le rivière, dans la mer, dans le rivière, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le cimetière, dans le tombeau, tout en droit, on nous a donné. Notre placenta, ils sont fermés, sous n'importe quel hôtel. Abaya, 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 il t'a venu, Elohim, Yahusha Amashiach, Yahusha Amashiach, Yahusha Amashiach, Deliver us. Thank you, Abaya. Naputai, Papa, from that cemetery. Naputai, your children. Naputai, your children, Papa. Naputai, your children.
Now put out your children. From Apiti, Apiti, Apiti Nkuwa, Apiti Nkuwa, Apiti Nkuwa, Apiti Nkuwa. Now put out your children. By the power in your blood. Yes. Thank you, Abaya. 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 Yes. You must come out. You must come out. Thank you, Abaya. You must come out. You must come out. You must come out. Thank you, Abaya. 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 Aha, aha, aha. You must come out. Your children, come out. Your family, come out. Your marriage, come out. Come out, come out, come out. You married for how many years? No children, no child, no child, no child. This is the, you are in the mighty clay. You are in the mighty clay. You are in the marriage clay. You know, you married. You know, you married. You married. You married. How many years to now? No child. Nothing to show of it. You know, you married. You know, you married. Potopoto Nkuwa. Apo, boy, Yahusha. Boy, Yahusha. Call upon Yahusha. Ape, Yahusha. Tu as marié depuis longtemps. Depuis des années. Il n'y a pas l'enfant. Tu es toujours dans l'austérité. Stérilité spirituelle, stérilité physique. Abaya, il dit, appelle-le, appelle-le. Tu es dans la force de cet monde. Tu es dans la force de cet monde. Oh, Yahusha, tu es dans la force de cet monde. Tu es dans la boue de cet monde. On t'a mis dans la boue. Rien ne marche pas. La vie n'avance pas. Mariage ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Oh, Abaya. Abaya, il dit, il nous a fait sortir. Il nous a fait sortir. Il a mis notre pied. Il a mis notre pied. Il nous a établi dans le rocher des âges. Dans le rocher des âges. Yahusha Amashia. Il nous a établi dans le rocher des âges. Et notre vie commence à avancer. Toutes les choses de notre vie commencent à avancer. Tout le blocage se disparaît. Tout le blocage disparaît. Oh Abaya, à travers de cette délivrance, à travers de cette délivrance, je déclare sur notre vie. Tout endroit que ta vie s'est bloqué, je commande que tous commencent à débloquer maintenant. Déblocage, déblocage. Au nom puissant de Yahusha, par le sang de Yahusha, je déclare le déblocage, déblocage, déblocage. Que le sang de Yahusha commence à débloquer, débloquer, débloquer. Tout chose qui est bloquée. Mariage bloqué, débloqué. Au nom de Sala Yahusha. Débloqué, débloqué. Finance bloquée, débloqué. Au nom de Sala Yahusha. Au nom de Sala Yahusha. Tout endroit que ta vie s'est bloquée. Sous tes enfants. Des commandes, débloqué, débloqué. Au nom de Sala Yahusha. Au nom de Sala Yahusha. By the blood of Yahusha. By the blood of the Lamb. By the blood of sacrifice. The Bible says, anywhere, anywhere. They put us in that pit. He said, the blood of covenant. Covenant came down and he set us free. He set us free. He loosed us. He loosed us from every bondage. He loosed us from every blockage. That blockage that used to block your marriage, block your womb. Say that you will not conceive. You will not conceive. I declare by the word of Yah, let the blood of Yahusha go into that womb right now. Open it by fire. Open it. Your destiny, your star, your glory, your children that have been blocked, they block their destiny, they block their glory. In your father's house, in your mother's house, nobody rise up. Anyone that wants to rise up, either you die in the future. All the constant, all they destroy them. They destroy every star, they destroy every glory, they destroy them. They don't want them to shine. Today, I come by the word of Yah. I come by the word of Yah. I come by the prophetic word of Yah. By the blood of Lamb of Yahusha Amashia, I decree from today that trouble will not trouble that family again. It will not trouble that family again. It will not trouble that family again. I decree and I declare, blood of Yahusha, destroy all those blockages. Every blockage in your family, in your home, in your household is destroyed. It's destroyed. It's destroyed in your life. In your ministry, in your calling, by every blockage, I command them, depart by fire, depart by the blood of Yahusha, depart, depart. I lose you from that blockage. Yes! Yes! Thank you, Abaya. Priez, 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 priez! Priez!
Abba Yah is here to bring us out. To bring us out from that mighty clay. It's here to bring us out from Potopoto. It's here to bring us out from Apiti. It's here to bring us out from la boue de la vie. Il est là pour nous faire sortir dans la force de la vie, la force de la vie, la force de la vie. On nous a frémés. Yahusha, il est là. Lion des tribus de Juda, il est là. Papa, il est là. Papa, il est là. Papa, il est là. Il dit ça que je ne peux pas faire. Il dit ça qu'il ne peut pas faire. C'est pour jouer avec la prière de mes enfants qui m'appellent jour aîné. Qui m'appellent jour aîné. Il dit, je ne peux pas jouer avec leurs prières. Il dit, je ne peux pas jouer avec leurs prières. That is what Elohim said. He said what I cannot do. He said what he cannot do. He's to overlook the prayer of his children. They are calling him day and night. His children are calling him day and night. He said he will never abandon them. He will never overlook their prayers. He will never overlook their prayers. So therefore, pray. Thank you, Abba Yah. Naputai, la la bide papa. Naputai, la la bide, la la bide. Naputai, naputai. Ni me dat ho. Ni me hell. Naputai from hell. Naputai from hell. Naputai from witchcraft. Witchcraft. Obanje spirit. Mami water spirit. Familiar spirit. Naputai. Naputai. Naputai from evil altar. Demonic altar. Altars. Ancestral altar. Of Afrasas. Of Amanasas. Of this land. Of this country. Of this country. Naputai from idols of this country. Papa. Yahusha. Aha. Libre-nous dans la main des idolâtres de ce pays. Idolâtres de ce pays, de cette vie, de nos pays, de nos communautés. Fais-nous sortir, Abba Yah. Oh, Yahusha HaMashiach. Oh, Yahusha HaMashiach. Thank you, Abba Yah. Thank you, Abba Yah. Yes! On a buta won la la piti. O me waka nguzole lo kenkume. O tiye wo aboma nonunta abu otito aleluya. On a buta won la la berede. O te woka nguzole lo kenkume. O tiye wo abota nanota abu otito aleluya. O nabuta woka la pete Yeshua. O me woka nguzole lo kenkume. Yeshua o tiye wo abota nanota abu otito aleluya. De Yeshua HaMashiach. Ono pisade Yeshua HaMashiach. Amen. Ono pisade Yeshua HaMashiach. Amen. Abba Yah. Abba Yah. Abba Yah. Abba Yah. As I go to your table now. As I go to your table right now. As I go to your table right now. Establish my feet. Establish my feet. Establish mes pieds. Establish my feet. Establish mes pieds. Establish my feet. Establish mes pieds. On the solid rock. Sur le rocher. On the solid rock. Sur le rocher des âges. Which is you? Toi. Which is you? Qui est toi? In the name of Yahusha. Prier. Appelle. Établis mon pied. Sur le rocher des âges. Qui est toi? Qui est toi? Toi-même. Établis-moi en toi, Yahusha. Comme je vais dans le table de Yah, table de Elohim. As I go on the table of Elohim. As I go on the table of Elohim. Abba Yah. Abba Yah. Abba Yah. Abba Yah. Abba Yah. From today, by the jeudi, établis-moi, dans le rocher, ma famille, mes enfants, mon mariage, ma ministère, établis, dans le rocher, Yeshua Amashia, qui est Yeshua Amashia, papa, as I go, to the table of Yah, to the table of Elohim, as I go, to the table right now, papa, establish me, on the table,
on the rock, on the rock, which is you, Yahusha, Hamashiach. Establish me, my family, my marriage, my home, my household. Establish us, establish us, Yabaya, Abaya, 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 establish us, establish us, my family, my children, my home, my household, my ministry. Establish us, establish us, on the rock, on the rock, on the rock. Yes! Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha Amashiach. Thank you, omnipotent, omnipresent Yah. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha. Mama Choko ono afori koya ehunaya kariri ayata udonkone uru anaya okwesi rekwesi aleluya okwesi rotito aleluya Mama Choko Ona erikoya ehunaya kiriri anutwa udokere unyanya kuta okwesiro tito aleluya ona pota unala mbede oya He set my feet on the solid rock to stay. He put a song in my mercy, a song of hallelujah. A song of hallelujah. A song of as from today, as from now, as from now, as from now, glory of Yahusha Hamashiach, glory of Yahusha Hamashiach, illuminate, 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 my glory, ma gloire, my destiny, ma destinée, my star, mon étoile, in the name of Yahusha, illuminate, glory of Yah, the glory of Yah, let your glory, let it illuminate, my glory, my destiny, let it be illuminated by the power of Yah, by the power of Yah, by the word of Yah, by the word of Yah, by the word of Yah, by the spirit of Yah, let your glory, Abaya. Illuminate. My star, my glory, my destiny. In the name of Yahusha. Thank you, Abaya. Thank you, Yahusha Hamashiach. Thank you, Adonai. Thank you, King of Glory. Thank you, Holy Spirit. In the name of Yahusha Hamashiach. In the mighty name of Yahusha Hamashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Amen. Now we are going into the Lord's table. Hallelujah. Maintenant, on va dans le table de Elohim. On va aller manger la chair et le sang de Yahusha Hamashiach. We are going to the Lord's Elohim's table to eat from that table the Lord's supper, our Elohim's supper. I got to take it. Abaya. Thank you, Abaya. It said in John 6. Let us see John 6. On va voir le livre de John 6. As we go to the Elohim's table, let us see what it says in John. On va voir ce que Elohim il a dit dans le livre de John. John
6. Thank you, Abba. Yeah. John 6. Thank you. Thank you, Abba. Yeah. Let us read from verse 50. A partir de verse 50. Or, on va lire. À partir de verse 47. Thank you, Abba. Yeah. Thank you, Adonai. Thank you, Yahusha Amashiach. Thank you, Elohim. Thank you. Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de la vie. Verset 49. Abba, I say, in verse 47, verily, verily, I say unto you, he that believeth not on me hath no everlasting life. He said, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am the bread of life. Uh-huh, continue. 49. Your fathers eat manna in the wilderness, and they are all dead. They are dead. They found dead. That they begin to swallow them. Uh-huh. Verse 50. Verse 50. This is the bread which cometh down from heaven. He's talking about him. I am the bread that cometh from heaven. Il a dit de parler. Voici le pain qui a descendu. C'est moi, hein? Devant vous là. Ok. That a man may eat, therefore, I'll not die. That bread of life, if you eat it, you will not die. Alléluia. Cet pain de la vie que Yahshua il est, il dit quand tu manges, si tu me manges, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Alléluia. Amen. Celui qui en mange ne mourra pas. Celui qui mange cette part ne mourra pas. Alléluia. Continue. Ça veut dire qu'il est la parole. Amen. Et sa parole, c'est la vie. Ézéchiel dit, Ézéchiel 3, Jean 10, il a dit, prends. C'est ta parole, mange. Alléluia. Amen. Continue. Verset 51. In the book of Ezekiel, chapter 2, verse, chapter 3, chapter 2, chapter 3, and John 10, he said, take this book, eat it, that is the bread, that is the word. Alléluia. Amen. When you eat him, you will not die. Alléluia. Continue. Let us go on and see what he said. He said, he now begin to introduce it more clear. Maintenant, il a commencé de introduire ça très clair. Alléluia. Que on peut comprendre celui qui nous parle. Alléluia. Yeshua, il a commencé de introduire lui-même clair. Yahusha begin to introduce himself very clear. I am that living bread. Allez-y. Descendu du ciel. That came down from heaven. That is. In that day, he's the one that is falling, also they call manna. Alléluia. Qui signifie que cet jour aussi, c'est lui qui est en train de descendre du ciel aussi, que lui, notre père est en train de manger n'importe comment. Alléluia. Amen. Il a dit d'introduire lui-même maintenant.
Ok, allez-y. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Anyone that eat this bread shall live eternally. Tout ce qui mange cette pain, il va manger, il va vivre éternellement. Continue. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai. Cette panne, c'est quoi? That pan, that bread I'm going to give you is my body. Hallelujah. It's my body. C'est ma chair, l'eau. Allez-y. Pour la vie du monde. Pour la vie de monde. Tout ce qu'il y a accepté, ce n'est pas le monde, c'est tout le pasteur là, il vous a dit de tromper. Cette panne, tout ce qui a accepté pour manger ça, c'est tous les gens là que Yeshua appartiennent. C'est pas parce que tu donnes un religion de christianisme. Tu dis que tu es des partenaires de Jésus. Et chaque fois dans ton église, chaque fois, vous mangez, vous boivez, vous dites que vous partenaires de Yahusha. Sans la vérité, sans la sainteté, sans la vie sainte et tout. Tu es en train de tromper toi-même. Tu es en train de manger seulement, tu es en train de boire pour satisfaire ton goût. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Le juge de Saint-Saint. J'aime le vin que le pasteur utilise. C'est pour ça que je n'ai jamais arrêté le Saint-Saint. C'est le goût que tu es en train de manger. Tu n'es pas encore raconté Yahusha. Alléluia. There are some people, they only come, you see them. I love, well, you know why I like it? I like Holy Communion. I like the Holy Communion in that church. The wine the pastor uses, the bread they use is so sweet. Anytime they do, that's why I like to. I don't like to miss Holy Communion. I love it to eat it. I love it. It is just the taste of what to eat that you are eating. You have not met Yahusha. You don't know what you are taking. Hallelujah. Amen. You don't know what you are taking. Until when you come to know what you are taking, now you will understand. Allez-y, go on. Verset 52. In verse 52. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter. The Pharisees, the Tocnadous, as you see some of them today in the church, they are going against this Holy Communion. They don't even pass. They even cancel it. They are preaching jargons in Nigeria. They are all of them. I pity all of you that you are in that ministry following all those satanic anointed man of dog that is leading every one of you to hell. Hallelujah. Tu as vu le 52? He said, the Jews therefore strove among themselves. Le Juif. C'est pas le Yadin. C'est pas les Yahouda. Faux gens, pharisiens, qui sont partout aujourd'hui en train de réclamer qu'ils sont noms de Dieu, noms de chiens, qui ne connaissent rien dans les Scriptures. La plupart de eux, jusqu'à aujourd'hui, sont déjà annulés. Ils ne font pas le Saint-Saint, ils ne font pas tout dans l'Église. Les autres aussi, ils font ça, ils sont en train d'abuser ça. Ils sont en train d'abuser ça tous les jours. Alléluia. Amen. Tout ça qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'abuser ça. Il y a les autres aussi. Pour eux, il a devenu orcotique. Ça que les gens mangent là-bas, c'est le sang de Lucifer et la chair de Lucifer. Alléluia. Amen. Que Yah délivre son peuple. Let us go on. L'homme de la chair ne veut pas comprendre les choses spirituelles. Bible says, you see what you're asking? How can this small boy, how can he give us his flesh to eat? It don't become witchcraft. Bible says, the carnal man cannot understand the things of the spirit. Hallelujah. Amen. Papa is spirit and he's looking for those that will serve him in the spirit and in the truth.
Abaya, il est spirit. Il est spirit, il est spirituel. Et c'est pour cela qu'il a dit, il cherche tout ce qui va le savoir dans l'esprit et dans la vérité. C'est pour cela que tu ne veux pas comprendre. L'Écriture est quand il parle. Parce que tu es dans la chair, tu es chanère. Alléluia. Allez-y. Yeshua leur dit, en vérité, en vérité. Yeshua, tu cries again, repeat again. Verily, verily, I say unto you. Je vous le dis. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme. If you don't eat the flesh of the Son of Man. If you don't participate in the drinking of his blood, vous n'avez pas la vie en vous-même. You have no life. You are dead. Hallelujah. Amen. You are a dead person. Si tu ne participes pas, tu ne bois pas son sang et ni manger sa chair, tu n'as pas la vie. Ça veut dire que tu es mort ou vivant. Dans le monde là, tu es déjà mort. Maintenant, tu es en train d'attendre le jour de confirmation. Alléluia. Amen. So, you don't have life, you are dead. Means, in this life, you are already dead. You are skeleton, cadaver, walking dead. You are just waiting for the date that we finalize your burial, funeral, and throw you into the pit, which is hell. To continue your journey there. Alléluia. Verset 54. Verse 54. Celui qui mange mon corps. Il a continué d'insister sur cet enseignement. Alléluia. He continued to insist in teaching what concerning his flesh and the blood. They call it Holy Communion. We call it Lord's Supper. He insists going on teaching it. Even with all the attack, with all the accusation of the false pastors, the Pharisees, everything that is fooling the world today, he continues to teach what he's teaching. He don't care. Hallelujah. Amen. Malgré tous les Pharisiens qui sont là-bas, qui ont été attaqués, malgré tous les Sadducées, malgré tout des faux, des juifs et tout, les gens qui sont religieux, qui ont été attaqués, il a continué de renseigner. Ça qui est continué de renseigner. Ça vous concerne là-bas. Alléluia. Et qui boit mon sang? If you don't eat my flesh, verse 54. C'est 54, non? Oui. Whosoever said, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. À la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ok. 55. Verse 55. En effet, for my flesh is meat, indeed. And my blood is drink, indeed. Alléluia. Amen. Tu as vu? Ma chair, cela n'est tu. Cela vient pour manger, pour la vie. Et aussi, mon sang, c'est notre boisson. Donc, je vous donne tout ça cadeau. 56. Il continue dans ses renseignements. Continue. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Demeure à moi et moi je demeure en lui. Ok. Allez-y. 57. Tout comme le Père. As the living Father. Qui est vivant. M'a
sent me. And I live by the Father. So therefore, anyone that eateth me, vivra grâce à moi. He also live by my own grace also. He has not finished. He's still teaching. No? He continued the saying. Verse 58. Voilà comment le pain descendu du ciel. This is that bread. This is that bread which come down from heaven. Is not this one now. That's what I said. Sala maintenant. Sala maintenant. C'est pas comme la manne que votre père. Parce que sala maintenant, c'est très dangereux plus que votre père. Votre père, ils sont fait les bêtises. Ils sont mourus. C'est un exemple. Mais ça, maintenant que c'est moi-même qui a venu maintenant, je suis très dangereux plus que ça. C'est ça que vous tentez de dire. C'est ça que vous tentez de dire maintenant. Vous qui tentez d'abuser ça. Vous qui êtes de faire ça n'importe quoi, vous utilisez ça pour prendre une opportunité pour boire le vin bien. Tu bois, tu prends ton bouteille de vin. Quand tu voulais boire vin, tu voulais utiliser pour faire la Saint-Saint. Alors que tu voulais aller boire bien pour dormir. Je fais mon chien-chien à la maison avec mes enfants. Les autres même, les enfants, il ne fait pas avec les enfants. Lui seul, il va prendre un bouteille. Il mange bien du pain. Il prend son pain. Il met ça bien. Il dit, il a été de faire le Saint-Saint. Tu as été de tromper toi-même. Ce n'est pas ça qu'il nous a appris. Quand il a donné, il a partagé ça avec ses disciples. C'est petit. Il n'est pas, chaque personne n'est pas prend un bouteille. C'est comme ça dans la Bible des Français, non? Non. Chaque personne n'est pas prendre un bouteille. Non. Tu vas voir, c'est français, francophone que Dieu voit tout ça. Chez moi-même, quand tu vois comment les gens sont peur de ça. Tu vois comment les gens sont peur de la Saint-Saint. Maintenant, dans l'église, c'est 5. L'église de la sainteté, que tu vas voir que les gens ils sont toujours présentés. Mais l'église de n'importe quoi. Le pasteur même ne touche pas. Il ne va pas dans la Saint-Saint. Et le jour de Saint-Saint, tu vas voir que l'église va vider. C'est comme ça chez moi. L'église va vider. Tu vas voir quelqu'un qui vient tous les jours. Quand c'est le jour de Saint-Saint, lit avec toute sa famille, son mari, sa famille, sa tout. Il n'y a même pas. L'église est vidée. La Saint-Saint, c'est très dangereux. C'est pour cela qu'il nous a fait ici là-bas. Hey, tu as vu ça qu'il a dit là-bas. C'est pas... You see, that's why Holy Communion or Lord's Supper is very, very dangerous. Very, very dangerous. It's here I see people taking it anyhow. Pastors playing with it, doing it. Some run away from it. All those churches that your pastors are run away from it because they are not clean. They are sinful people. Hallelujah. They are sinful people. Toute l'église que tu vois même, je ne parle pas même les autres que les pasteurs pratiquent ça, ils font ça tout le dimanche, tous les autres qui font ça tout le dimanche, tous les jours qu'ils sont rencontrés, tous les mois, on boit bien. Alléluia. Amen. Vous êtes dans le tromperie. Yeshua, dans sa ministère, il n'a pas fait ça tous les jours. Il n'a pas fait ça tout le temps qu'ils sont rencontrés, ni les apôtres. Ce n'est pas tout l'endroit qu'ils sont rencontrés. Il boit. Il fait la Saint-Saint. Tu as vu ça où? Tu as vu ça dans votre écriture? Non. C'est comme ça. Les gens là, ils sont vus pour dans les écritures, dans les Bibles. Alléluia. Que tout le temps, quand vous rencontrez, il faut boire. Dis la personne, c'est où? Alléluia. Tu dois faire les choses avec la direction du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Il y a les choses, la plupart des choses dans l'écriture. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Et dès quand le Saint-Esprit va descendre, il va venir sur vous. Il va vous conduire dans toutes choses. Alléluia. Amen. You will go to some people.
Every time they meet in their church, they drink. Some people in their house, when they have gluttony of wine, you will see him, you will say, I do my own house. He will go and get one bottle. Shakisi. He will see alcohol is inside you. He will shake it very well. You open it, eat bread well, use wine, fire it. Sometimes you will join meat with it, join everything. Come and drink water, top it. He will now sleep off. You say, I'm doing this on Holy Communion. You are deceiving yourself. You do not can see in the Bible where one person carry one bottle, finish it. It is gluttony area. Tous les gens que tu vois dans les maisons et tout, ils prennent un bouteille de vin, ils finissent ça. La personne dit le démon de glouton. C'est ça, non? Glouton de vin. Celui qui le tourmente. Il besoin la délivrance. S'il n'est pas fait attention, la délivrance qu'il a besoin, c'est la besoin des chicottes. On va aller chercher les chicottes. Comme il y a l'église de qui porte le blanc, le robe blanc là, célestial, comment on dit ça? Quand il fait la délivrance, il y a la délivrance qu'on va faire. Il va chercher même le chérubin et le séraphin. Il y a la délivrance qu'il fait, il va creuser un trou. On va dire de rentrer dedans. Il va sortir le chicotte. On va te lapider jusqu'à le démon là va sortir. C'est cette délivrance que la personne a besoin. C'est pas cette genre de délivrance. C'est le délivrance de chucotte. Quand on va te chucoter bien, le démon d'accord va sortir. Toi-même, tu vas aller voir comment il va sortir. C'est la délivrance que tu as besoin. C'est pas pour nous. Non, pour nous, non. Nous, on ne chucote pas quelqu'un parce que tu es déjà très loin. You don't need the tap for our deliverance. Deliverance of the cherubim. That one, they used to use koboko wire. They will dig a hole and put you there. You will wire you koboko. That demon of alcohol, wine, gluten will jump out from your life. You will not practice it again. That is not, Yeshua did not teach us that. If you are doing that, run away from it. And if you any pastor have taught you that, run away from it. And it is not every day. Not every day we will come together. They used to follow Apostle Paul with this thing. Apostle Paul was just teaching us things. And the Bible says, when the Holy Spirit will come upon you, he will teach you all things. Holy Spirit will elaborate things. He will make us know how to follow things, how to do things. Hallelujah. Amen. It's not every day that you will gather. You must follow things by the Spirit of Yah. Hallelujah. Amen. Uh-huh. Hallelujah. Amen. Now 58, he said, this is that bread which come down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. He warned us there. It's a warning. He's now remembering us that how our fathers they make jest and they eat that bread anyhow. That is to say, don't take Holy Communion or the Lord's Supper, anyhow, make sure you accepted Yeshua HaMashiach in the Spirit and Truth, and you have done all the necessary things, your baptism and everything, and you are walking in holiness and righteousness to avoid death. Death here is talking about is not only physical death. When somebody is sick, is dead. When somebody is paralyzed, is dead. When things are not working, you can eat it in wrong way and everything in your life may paralyze. That is dead. Hallelujah. Amen. La mort que Yahushua a entendu parler ici, comme Apôtre Paul aussi nous a renseigné ça, c'est pas la mort, c'est pas qu'il a entendu parler la mort physique immédiate. La mort peut être ta santé disparaît. Il peut être paralysis. Il peut être tu perds tout le bon chose dans ta vie. Il peut être la stagnation. Il peut être les choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de manger la chair et le sang de Yahusha avec le péché.
La nature de Yahuwah doit être une grande délivrance pour nous. C'est la délivrance dans la vie de son people. C'est la liberté dans la vie de son people. C'est quelque chose qui transforme la vie de son people. Ça ne doit pas nous amener le blocage et la souffrance. Sauf si tu vives dans le péché. Si tu vives dans le péché, la personne va mourir. La personne va rencontrer le blocage. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il nous a avertis ainsi. Je ne suis pas comme la manne que votre père a mangé. Ça veut dire que pour moi maintenant, ce sera très, très dangereux plus. Parce que c'est moi-même maintenant qui est là. C'est moi-même maintenant qui voulais aller sacrifier ma chair. Que vous ne pouvez pas faire. Que je sais la douleur et la souffrance que je vais aller rencontrer. N'importe qui ne doit pas jouer avec ce sacrifice. C'est exact ça qu'il nous a été dit. C'est ça qu'apôtre Paul aussi, il a essayé d'expliquer. Alléluia. That's exactly what Yahusha is telling us here. That my body, my flesh that I'm going to offer to you, my blood, I am that manna, but it's not the same manna that your fathers, your churchineers and everything eat. And you see that they are all dead. But he's trying to let us know that there, that now that I am the one that have come, I am that manna now, I am so much dangerous than that one they eat in the wilderness. Because now I am going to pay a price for your sins, for your iniquity, for all our potopoto, all our apathy, all our mighty clay. I am going to pay the price for it. So if you try to do nonsense with this price I'm going to pay, this one punishment is going to be so terrible. Hallelujah. Amen. This is like Yeshua did explain. That's what Yeshua is bringing out here, so that we don't do nonsense again with this sacrifice. C'est ça que Yeshua a dit de nous avertir là, que on ne doit pas faire les bêtises comme notre père. Pour eux, il dit, vous avez vu, ils sont mangés, ils sont morts. Mais pour moi, maintenant, je suis venu. Je veux payer le sacrifice de la bouille de votre vie. Je veux payer le sacrifice de la force profondeur que vous êtes. Je veux faire ce sacrifice et c'est le dernier et la fin du sacrifice pour nous faire sortir dans la mort. Donc, personne parmi vous ne doit pas s'amuser avec ce sacrifice. Sinon, la vie des personnes, la personne va regretter. La personne va regretter. C'est ça que nous entendons parler ici. Alléluia. Amen. So this is exactly what Yeshua is giving us explanation there. Et regarde ce qui est arrivé. And see what happened. This thing said he in the synagogue as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, what happened? When they heard this, they said, this is a hard saying. Who can hear it? Alléluia. Amen. Tu as vu? Edmond Lee, le 59. C'est ça, non? Verset 59. Yeshua dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue. À Capernaum. 60. Après l'avoir entendu, quand ils sont attendus, ça c'est son disciple. Parce qu'avant, Yeshua n'est pas seulement 12 disciples.
il a choisi l'appel quand il a commencé sa ministère. 70, donc ils sont tous là-bas. Alléluia. So understand, Yeshua doesn't have only 12 disciples. Before the 12 disciples, he chose 70. They were all together here now. Now see what happened. Okay, allez-y. Qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Tu as vu? Alléluia. Amen. Et pour nous faire comprendre que c'était une parole très sérieuse. Yeshua, il est très sérieux ici. Alléluia. Amen. Yeshua, quand c'est l'affaire de vivre correct pour entrer dans son paradis, il ne s'amuse pas avec ça. Il ne te regarde pas. Si tu voulais sortir, prends la porte, sors. Il n'est pas là pour nous caresser. Alléluia. Quand c'est l'affaire des paradis, quand c'est l'affaire pour rentrer dans son royaume, Yahusha n'est pas là pour te caresser. Et c'est comme ça aussi, il veut que tous ses serviteurs fassent. Il ne nous a pas envoyés dans le monde là pour caresser quelqu'un. Alléluia. Si ça ne te plaît pas, ouvre la porte, parti. Et ils ont fait tout ça. C'est dur pour vous, non? Merci. Au revoir. Il y a les autres, que ça les plaît. Paradis n'est pas pour tout le monde. Tout le tromperie qu'on nous dit. Non, le paradis n'est pas pour tout le monde. Il y a le message pour paradis. Il y a le message pour ce monde. Alléluia. Et c'est le message de cet monde que tout le monde a dit d'attendre. Et tout le monde veut écouter. Mais le message de paradis, c'est dur. Mais les gens ne veulent pas ça. You see the difference? You see what is happening? When it comes to the issue of paradise, Yeshua don't joke with anybody with it. Yahusha speak directly and tell you how it is. If you want to go, open door and get out. He cannot call you back. We don't call. That's why a true ministry of Yahusha, as long as nobody offends you, it is the truth that you hear and you decide to go. Bye-bye. C'est pour cela que every église de Yahusha Hamashiach, il n'appelle pas quelqu'un, il ne courit pas direct quelqu'un en train de lui demander pardon, retourner, en train de déranger. Non, c'est le faux église qui fait ça. Les vraies églises de Yahusha, ils donnent le peuple de Yah, la parole de Yah, qui est cuit. Bien cuit. C'est ça, non? Oui. Bien cuit. Et quand c'est bien cuit, c'est amen. Qui peut attendre ça? C'est très dur. C'est amen. Et quand il te donne ça, tu voulais partir, la porte s'est ouverte. C'est ça qu'il va faire. Mon frère, ma soeur, quelqu'un t'a offensé? Non. On te fait mal? Non. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Ma joie, c'est que dans cette église, toute la vérité, tu attends de tout. Que Dieu te aide. Mets tout ça que tu attends ici en pratique. Oh. N'écoutez pas les gens qui te trompent. Oh. Ok? Comme tu as dit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a offensé, il n'y a rien. C'est toi qui as décidé. Ok, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Bye bye. Si on t'a offensé, ok, on te demande, pardon. On t'a offensé où? Oh, il m'a fait ça, il me regarde mal, il me regarde bizarre, il me regarde ça, il me dit ça, il n'y a pas l'amour, vous n'êtes pas l'amour. Ok. Dis-nous quel genre d'amour que tu veux. Ok, on va te donner l'amour. C'est l'amour qui est le problème. On va te donner. À partir d'aujourd'hui, tout le monde. Dans MFM, dans cette personne, l'amour, que les choses soient réglées. C'est ça, non? Bon, reviens, on va te donner l'amour, bien. Oui, on a manqué l'amour, mais à partir de maintenant, on va commencer des prières. Papa, donne-nous l'amour pour donner notre sœur. Donne-nous l'amour pour donner notre frère. Donne-nous l'amour, Abaya. Donne-nous l'amour. Ça va réguler. Alléluia. Amen.
Yerusha. Kabayano Eddie. C'est tout ça que j'avais vu attendre dans cette église. Que Dieu, que papa ait pitié. Il n'y a pas pitié. Cette excuse, je priais que les gens là ne veulent pas aller dire Yeshua ça à cet jour. Ils ne veulent pas aller dire Yeshua ça. Parce que ça, ce n'est pas un raison. Alléluia. Amen. Si tu veux l'amour, tu as aussi d'abord donner les gens l'amour. Alléluia. Amen. Tu veux que quelqu'un, les gens te m'aiment. Il faut d'abord donner aussi l'amour. La Bible vous dit, donne, tu seras donné. Hein? Donne, tu donnes. Est-ce que tu as déjà donné avant de dire qu'on ne m'a pas donné? Que y a pitié. Qu'elle ait pitié. That's one thing that I find in this ministry here. Everyone, they will say, you don't have love, you don't do this one. If you want to go, you go. You see, they left here. Yeshua did not run after them. Tu as vu son parti, il dit, Yeshua n'est pas couru derrière elle. C'est les faux églises qui courent derrière quelqu'un. C'est les faux églises, c'est les faux pasteurs. Parce qu'il ne fait pas que son client réduit. Quand le client est réduit, l'argent est réduit. Alléluia. On ne se bat dans cette affaire. Alléluia. Mon argent ne réduit pas jamais. Parce que ma finance, mon compte, c'est en Christ. Alléluia. Si les gens réduisent, Yeshua va continuer de me donner. Pour faire son œuvre, pour continuer de faire son œuvre. Donc, pasteur, laissez-vous toute cette bêtise. Prêchez-vous la parole de la vérité. Ne regarde pas combien qui rentre. Ce n'est pas ça que Yah veut. Yah veut les âmes qui sont sauvées par ta prédication. Par ta parole, combien qui a sauvé, combien que la parole il a touché, combien qui a écouté la parole, qui a vu que ah, je suis un pécheur, je pense que je connais Yah, je ne connais rien. Alléluia. Comme le frère là qui a venu, quand il commence à lui ouvrir la Bible, je lui ai dit, depuis ta vie, depuis que tu es catholique, entre tout votre prêtre, vous avez déjà touché tout ce qu'il a dit, il dit jamais. Je ne connais pas que tout ça là, c'est juste. Même la Bible là même, c'est un ami qui m'a donné. Ah bon? Tu as quel âge? Ah. Ça veut dire que vous êtes trompé. Trompé dans la religion. Alléluia. Montre-le la vérité. Dis-le la vérité. Car après écouter ça, si vous voulez mener partie, au revoir. Ta jugement est déjà accompli. Oh. C'est déjà écrit. Tu ne peux pas nier ça. Les gens, ils sont là-bas, à te écrire le temps que tu as venu, la souffrance que tu as fait sous le pasteur, il a souffri et tout, pour venir pour te parler et tout, ils sont tous notés. Prends cette dossier, allez, donner Elohim. Papa, il regarde, ok, c'est confirmé, il n'y a pas de problème. Laissez là-bas. Il reste, il dit combien? Il reste 10 ans. Ok, il reste 10 ans. Il a encore la grâce. On va voir. Peut-être, il peut repenter. Papa dit, il n'y a pas de problème. Mets son dossier à côté. 10 ans. Tu sais que, il va dire ses âges, tu sais que 10 ans. Je connais 10 ans, non? 10 ans, c'est comme... Mais pour eux, c'est longtemps. Mais pour nous, c'est avant que le frère même ouvre comme ça, 10 ans, il est déjà. Les gens vont dire, oh, la folie des hommes. La folie des hommes. Et laisse, pour voir, vous enquêtez, laisse un dossier là-bas. Alléluia. Amen. C'est ça que les gens ne connaissent pas. That's what people doesn't know. Like that brother that came here. He came here. He had the truth. I gave him all the truth. You are a Catholic, Catholicism. He said yes. Since you have been Catholic, have you heard this word? He said, no. Are you sure? He said, even the Bible he brought, is a friend that gave him the Bible. That's why I see him struggling with the Bible. I asked him, what is your age? He tell me. So since you are born till now, you don't know how to open, you don't know where James is. Talk less of where Genesis. Genesis, you don't know. Revelation, Depuis que tu es Catholic, jusqu'à cet âge,
Oui, Genèse, Genèse. C'est comme ça qu'ils battent avec la, la Bible. Oui, Apocalypse. Pasteur, aide-moi. Aide-moi. C'est un ami qui m'a donné la Bible là. Et il dit, il ne veut pas engager sur la religion. Tu ne veux pas engager sur Yahshua, c'est ça que tu vas dire. Il faut lui déclarer ça. Mais pourquoi tu es venu me chercher? Tu m'appelais pour faire quoi? Que je viens te faire magique. On te dit que je fais magique avec. Que y a pitié. Amen. Alléluia. Donc, Yah, il nous a avertis sur les, la Saint-Saint. Au lieu d'aller loin. À la maison, on peut y aller. In the house, we can go and read it. Don't want to go far. Yah teach us, Yahusha teach us concerning his body, his flesh. And as we are going to take it right now. And I pray, Elohim, from it, Elohim will confirm our deliverance. Elohim will see this deliverance. Elohim will deliver us. Elohim will take us and place us in him, which is the rock. As he is his father, we are also in the father, remaining there, standing in the rock of ages. And he will be leading us. And he promised us in that Psalm 40, and all our doings will be going well. Hallelujah. Amen. Comme il nous a promis dans sa parole, comment on va participer maintenant dans la nature de Yahusha, le table de Elohim. Abaya, il dit, quand vous allez manger, ma chère, il y a la vie. On ne mourit pas. On ne mourit pas. Il dit, il est là, la vie et la mort. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Quand on lui mange, il dit, vous serez à moi, amen. Je serai à vous. Amen. Comme mon papa, il est à moi, c'est comme ça aussi, je serai à vous. Donc, vous ne mourrez pas. Amen. Même si vous, la mort vient dans ce monde, la mort c'est nécessaire. C'est naturel. C'est ça qu'il y a, il a utilisé pour dépasser tout le monde. Le roi, le président, les riches et le pauvre. C'est ça qu'il y a, il a, mais qui n'est pas le respect des n'importe quel titre que tu veux, tu mets sous ta tête, sous ce monde. Un jour viendra, monsieur de la mort, il va venir frapper la porte. Monsieur, quitte là. Tu as déjà beaucoup sali ici. Je vais te remplacer. Tu ne veux pas lui dire quoi? Mais les gens ont l'habitude de dire ça. Il va courir aller à l'hôpital, courir aller voir le médecin, courir à la fin, le médecin va sortir, va dire à la famille, désolé, quoi, désolé, qu'est-ce qui est arrivé, on l'a perdu, pourquoi il n'avait pas l'a perdu, c'est lui qui a donné la vie, alléluia. Amen. Il va toujours les perdre. Alléluia. Amen. Et c'est ça que les gens ne connaissent pas. Et le médecin, il va toujours perdre la personne. Parce que ce n'est pas lui qui lui a donné la vie. Alléluia. Amen. Et donc les autres ont venu les courir pour faire aller. Parce que tu as l'argent, tu as tout. Les autres vont aller chercher le meilleur. Meilleur médecin. Toujours meilleure personne. Meilleur médecin, il les perd. Alléluia. Amen. C'est ça que Yah, il a utilisé pour dépasser tout le monde. La mort. La mort. Que Yah soit glorifié. Amen. That's what Elohim used to pass everybody debt. He don't have respect. Whether you are the biggest man or the richest man, the poor or the rich, or you are long, or you are short, or you are cool, or you are this one, or you are beautiful, handsome, Miss World, Miss this one, Miss this one. When they come, bam, bye bye. He tell you, nah. You don't stay here too much, especially sinners. When they come to meet you, just tell that you don't stay here too much. You don't. Potopoto, your life is too much. It will happen. Get out from here. Hallelujah. Amen. C'est ça. Si maintenant tu es un pécheur, quand il vient, il va.